j'ai un bouton. Un autre là. Enfin, j'ai deux. J'aime bien moi. Avant ou pas avant. On est assez loin ouais, de tout. Je peux pas emprunter les photos qu'on a retirées de mon labo. Attends, le coucher du soleil est magnifique. Enfin, c'est pas où on va le coucher, mais. Oh waouh, ok. Il y a vraiment beaucoup de motos ici. Et là on est descendu parce que là c'est trop beau. On va manger. Une salle, ok. Quelle entrée. C'est un gros fan. C'est beaucoup, ça, non? Mais ça fait too much. Mon bouton est encore là. Petit déjeuner. Je dois faire un taste test. C'est mou. Oui, c'est pas weird. Ah, le goût d'un truc que j'ai déjà mangé comme ça. Ah, oh, c'est bon. Thank you.
côté-là, le ciel est un peu gris. Et plein d'oiseaux. Maintenant que je peux vous parler, c'était une journée très mouvementée. Là, je prends ma douche. Aujourd'hui, on est parti sur l'île Coco. D'ici à l'île Coco, le trajet, ça a pris une heure de temps. Du coup, une heure de temps aller, une heure de retour. C'était très long, mais j'adore. Non, mais j'adore les bateaux. La nourriture était super bonne. J'ai mangé poisson. En fait, sur l'île Coco, on n'a pas le droit de manger de chair. À cause des oiseaux. Il y a énormément d'oiseaux là-bas. J'ai jamais vu une île avec autant d'oiseaux. Pour que les oiseaux ne deviennent pas carnivores, du coup. Et on risque de se faire dévorer. On est rentré à 2h30 et quand on est rentré, on est parti dans la piscine. Petit faisait trop chaud et j'avais encore le salé sur moi. Et là, dans quelques minutes, mon papa et moi, on va faire un tour. En fait, je vois Rodrigue comme une version de Maurice, mais avant. Et même les couleurs. Genre, quand j'ai pris mes photos, j'ai même pas eu à éditer. Tellement les couleurs sont juste magnifiques. Bon, j'ai fini. La quantité qu'on a mangé. On était là-bas. Là-bas? Là-bas, c'est pointe du diable. Attends, on était là-bas. Oui, pointe du diable. Ah oui, oui. On était là-bas, on a mangé tout ça. Pointe du diable. Donc, c'est tout ça, on appelle ça. Tout ça. Ah, au dégât. Et là, il est l'après-midi. Non. On a fait tout ce chemin-là. Oui, mais bon. Pour chercher une boutique. Oui, c'est donc. Heureusement, ici, on est à l'époque de l'histoire. Et maintenant, on retourne. On est arrivé. C'est trop joli, là. On va dîner. Je vais mettre ça même. J'ai changé de. Ça a deux pattes. Aujourd'hui, on va faire un détour. Un détour. Genre. Moi, j'ai des dates. Ça va faire ça là.
Ça va être cool. Voilà, j'ai mangé qui m'a fait penser comme si je mangeais. Il y a un petit repas. Voilà. Non. Ok, on commence. Ah, moi aussi. 45 minutes. Donc, je serai arrivé à 2h15. Direction Trou d'Orge. 11 bouteilles. Je suis fatiguée. Il est 13h48 maintenant. On est au milieu de nulle part. On est vraiment au milieu de nulle part. Ça fait une heure qu'on marche. Ça fait une heure. Il est 14h. Il est 14h49 et on est arrivé à 11 bouteilles. Oh, mon dieu. Donc, oh, on a eu des touristes pour marcher avec nous parce qu'on était un peu. On n'avait pas de motivation quoi. Enfin, j'avais pas de motivation. Et là, ça va. Du coup, je descends et on va nager. J'ai vu. Je fais bye bye. Numéro 2. Le chauffeur nous attend. Et ça y a marre beaucoup. On a encore une heure de moche. Il est carrément.
Mon papa est malade. J'ai retiré tous ces vêtements là chez moi, je suis épuisée. Ouf. Franchement, le seul truc que j'ai aimé, c'est la plage de Hospital. Mais sinon, la moche. Encore plus joli maintenant en fait. Il n'y a pas de lumière, mais on va dîner. Mais je pars sans en fait. C'est la première fois que je mange ça et je n'aime pas. Coucou. Aujourd'hui, on est le 9 novembre et c'est mon dernier jour à Rodrigue. Aujourd'hui, on va prendre le bus et on va explorer un peu la région Beaumont-Turin. On va prendre le bus. Chez Véro. Mesdames, Messieurs, nous vous demandons de bien vouloir rester assis jusqu'à ce que l'équipage vous autorise à débarquer.